C'est parti. Bonjour Brice, peux-tu nous rappeler brièvement ton parcours de footballeur avant d'arriver à l'USSM ? Bonjour, donc, j'étais formé à l'Estac de Troyes pendant 4 saisons. Ensuite, j'ai rejoint l'Alsace à Elsa Kmodenheim pendant 4 saisons aussi. Les dernières, j'étais au Mont FC, contre qui on va jouer ce week-end. Et puis, je viens d'arriver cette année à Saint-Malo. Et qu'est-ce que tu penses de tes premiers mois à Saint-Malo ? Tu es satisfait de tes débuts ? Pour le moment, ouais, la saison n'est pas finie. Hein. Il reste encore quelques matchs. Donc, pour le moment, c'est plutôt positif, même si j'ai encore plein d'objectifs avec l'équipe et puis aussi individuel. Samedi, vous allez rencontrer donc le FC Le Mans sur leur terrain. C'est ton ancien club. Qu'est-ce que tu ressens sur un match aussi important ? C'est mitigé parce que du coup, c'est comme c'est mon ancien club. J'ai pas mal d'amis là-bas, même si je suis resté qu'une saison, que ce soit les dirigeants, les supporters ou mes anciens coéquipiers. Et le fait que le Mans soit premier et que nous deuxième, c'est un choc à cette journée de la fin. Donc voilà, c'est un réel engouement et aussi un plaisir de jouer cette rencontre. Par rapport à ce que tu connaissais d'eux, est-ce que ça te surprend leur parcours ? Non, Le Mans, ils sont programmés pour monter. Hein. Depuis la première journée, ils sont premiers, c'est pas pour rien. Tout est fait pour qu'ils accèdent au niveau national l'année prochaine, comme c'était le cas l'année dernière. Donc voilà, il n'y a aucune surprise, malgré qu'ils soient premiers cette année. De votre côté, les Diables Noirs, là, vous venez d'enchaîner 3 victoires consécutives. Au niveau du mental, ça doit faire du bien ? Ouais, c'est sûr, ça fait du bien. Surtout que c'est la première fois de la saison où on enchaîne 3 victoires consécutives, malgré notre saison plutôt convenable depuis le début. Mais voilà, je pense qu'en plus, on a fait 2 défaites. Et dans les têtes, je pense que tout le monde se sent mieux d'avoir fait 3 victoires et 2 défaites que d'avoir enchaîné à une période 6 ou 7 matchs nuls. Samedi, contre Le Mans, d'après toi, quelles seront les clés du match ? Les clés seront multiples. Hein. Je pense qu'actuellement, c'est la meilleure équipe du championnat. Même si au match aller, on méritait de l'emporter en termes d'occasion et dans le contenu. Maintenant, ce sera à nous de se surpasser aussi sur ce match retour. Parce que de jouer au même arena, c'est tout un contexte particulier et différent du quotidien du CFA. Donc voilà, je pense que les clés sont surtout mentales. Mais après, il faudra mettre tous les ingrédients technique, tactique et physique pour pouvoir espérer accrocher la victoire. Bien, merci Brice. Bon match pour samedi et puis ramenez-nous les 3 points. Merci à vous. Ouais.